Bonjour Thierry Garbenel. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous dans ce lieu enchanteur. Dites-moi, quelle est votre motivation à créer ces pives éphémères dans la nature ? Bonjour Chantal. Ma motivation première, c'est d'être dans la nature déjà. Et fondamentalement, c'est surtout de découvrir un monde sensible et suprasensible. Y a-t-il une technique particulière ? Oui, j'utilise la technique de la pierre sèche, c'est-à-dire surtout avec le sens du toucher, du mouvement, de la vue, de la forme, de l'équilibre, et puis l'apprentissage aussi du sens de la beauté qui est nécessaire. Parce qu'on essaie de trouver des pierres de couleur, de trouver des tonalités, d'édifier des formes dans l'espace, de travailler aussi avec les éléments, avec l'eau, avec les arbres, avec les... Donc ça demande... C'est très rigoureux comme travail, parce que la vie passe à travers les sens. Donc ça nous demande d'être complètement posé et d'être le plus présent possible à soi-même. Quelle satisfaction en retirez-vous ? Alors c'est toujours une découverte. C'est toujours une découverte de soi-même, de la vie. Et puis un apprentissage de la présence à une intelligence qui est là tout autour de nous. C'est toujours un passage un peu de notre vie quotidienne où l'ego est toujours impliqué dans ses préoccupations à une conscience non locale. J'aime beaucoup découvrir à travers. Merci Thierry pour cette démarche originale et continuez à nous faire de belles éphémères. Merci bien.